Good morgen, Aleid, et nous sommes aujourd'hui le Lunishmat Dov Ben Yudit, et Amram Ben Chedva, Chaya Esther, Bat Miriam, et Yitzhak Perez Ben Fortuna. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le 7e péril de Shabbat, Perek Zayin Mishnah Lef. Klal Gadol Amru Be Shabbat, Kol HaShokheach Ikar Shabbat, Vassam Elachot Arbe, Be Shabbatot Arbe, et No Chaya, Velachatat Echat. Ayodea Ikar Shabbat, Vassam Elachot Arbe, Be Shabbatot Arbe, Chaya, Val Kol Shabbat, Be Shabbat. Ayodea Shou Shabbat, Vassam Melachot Harbe, Be Shabbatot Harbe, Chaya, Val Kol Av Melacha, U Melacha. Rosse Melachot Harbe, Me'en Melacha Achat, No Chaya, Velachatat Echat. On commence à présent depuis chapitre Zayin. On va commencer à parler des melachot de Shabbat. Jusqu'à maintenant, si vous avez attention, on a eu deux prakim qui ont consacré au préparatif de Shabbat, avec l'allumage des bougies et tout ça. Et après, on a commencé à parler dans le Perek Gimel Dalet, dans la Atmana, la manière d'être matmin. Après, on a continué à parler de quels habits, quels bijoux on a le droit de se mettre pour sortir Shabbat. À partir de maintenant, on va commencer à parler des melachot, les 39 travaux de Shabbat. Et dans la prochaine Mishnah, on aura l'occasion de détailler les 39 travaux. C'est une Mishnah qui va être très longue. Préparez-vous d'ailleurs à avoir un cours qui va être assez long. On va les expliquer comme tant bien que mal chacune. Mais pour le moment, avant d'arriver à découvrir quels sont les melachot concrètement, on va parler du chilouk melachot. Du fait que, d'abord, premièrement, on va introduire des notions. Ceux qui ont étudié écrit tout avec nous, ils n'ont pas de problème. Ça va juste leur rappeler quelques petits principes. Lorsqu'on transgresse une même avéra, Beshogeg, plutôt je commence d'abord dans l'ordre. Toute faute de la Torah sur laquelle on est passible de carette, de retranchement si on est bémézide, si on fait avec intention, lorsqu'on transgresse ces avérotes-là, Beshogeg, sans faire exprès, eh bien, ou par erreur même, parce qu'on a été induit en erreur, parce que quelqu'un nous a induit en erreur. Eh bien, on doit apporter un korban khatat, d'accord? Et les règles de base, la plus primaire possible, c'est clair? Donc, quelqu'un qui va manger du sang, il va boire du sang, et sourd d'âme, il sourd chélève, les graisses interdites, il va avoir un rapport avec une femme qui est nida, d'accord? Qui a menstrué, qui a ses règles, et ou, qui ne sait pas trop au mikvé après la règle. Il transgresse l'interdit de nida, il est passible de karet, s'il est bémézide. S'il est Beshogeg, il n'a pas fait exprès, il ne savait pas que c'était interdit. Ils avaient oublié qu'elle n'avait pas fait attention. Alors dans ce cas-là, ils sont passifs d'un korban, ils devront apporter un korban khatat pour se faire expier leur faute. Premièrement. Une notion très générale qu'on a maintenant étudiée longuement dans Kretout, c'était le chilouk khataot. Lorsque, si quelqu'un, on va prendre le cas d'une graisse interdite, il a mangé une graisse interdite, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc on a dit, ça fait 5 jours. Et il a mangé chaque jour un bon kazaït. Mais il n'a pas fait attention. Il a pas fait attention que c'était un interdit. Il pensait que c'était de la viande normale. Il a mangé. Et puis après, jeudi après-midi, on lui dit, mais toute la semaine, ce que tu as mangé, c'était du chélève. Même s'il a transgressé 5 fois l'interdit, il a mangé 5 kazaït. Il devrait porter un seul korban khatat. On avait découvert dans Kritout des petites notions, si toutefois ça vient de 5 personnes, 5 vaches différentes, si ça a été cuit à 5 sauces. De manière générale, la halakha nous dit, c'est la même avéra, tu l'as transgressé sans prendre conscience de ton interdit, tu devras apporter un seul korban khatat. D'accord? Maintenant, si par contre il a mangé chélève et dame, il a mangé un morceau de graisse interdite, et à part ça, il a même bu du sang d'animal, qui est un interdit de carrette aussi sur ça, il devra apporter deux. Pourquoi? Parce que tu as transgressé deux avérotes. Donc retenez, de manière générale, pour une même avéra, tant qu'on n'a pas pris conscience de l'interdit, alors on apporte un seul khatat, même si on a fait plein de fois avant de retransgresser la avéra. Même un homme avec sa femme Nida, ils n'ont pas fait attention, ils ont oublié qu'elle était Nida, ils ont pensé qu'elle était partie tromper au mikvé, mais en fait le mikvé n'était pas convenable, il n'y avait pas la quantité d'eau qu'il fallait, peu importe, il y avait toutes sortes de choses qui peuvent faire qu'ils sont trompés. Ils ont été ensemble pendant un mois, eh bien, ils devront apporter un seul khatat, parce que c'est une seule grande avéra. D'accord? Toutefois, s'il a pris conscience de sa avéra, et qu'après il a réoublié, eh bien, il devra apporter du khatat, parce que ce qu'on va appeler Yedi'ot Mechalkot. Le fait de savoir que tu as transgressé l'interdit, ça fait que maintenant, dès que tu as pris conscience que tu as transgressé l'interdit, tu dois porter un korban khatat sur ce qui s'est passé. On a fini, on a clos un dossier, tu dois porter un korban khatat.
tu recommences demain pour faire cette même avéra, c'est une nouvelle avéra, tu dois apporter un deuxième korban khatat. D'accord? Il y a une notion, j'hésite à en parler très, très rapidement, parce que ça peut donner quand même un petit timbre qui va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe pendant Shabbat. Il y a malgré tout, dans certaines avérot, la possibilité de malgré tout d'apporter des khataot différentes, même si on n'a pas pris conscience entre les deux. En l'occurrence, on a parlé de cas d'une femme Nida. Imaginez quelqu'un qui a deux femmes Nida. Et c'est pas que c'est interdit d'avoir un rapport avec une femme Nida. Alors il y a certaines avérotes, on va dire goufin mechalkin, le fait qu'il y ait des entités différentes, que ça ait une importance spéciale. Alors c'est considéré que ça va. On va considérer qu'il veut rapporter deux khatot parce qu'il a transgressé deux groupes d'interdits. Il y a plusieurs raisons dans la Gemara pourquoi il devrait apporter deux fois des khatot. Éventuellement parce qu'il n'est pas seul à transgresser la vera, elle aussi elle transgresse la vera, donc ça c'est une première entité, ça c'est une deuxième entité. À la différence de la graisse que je vais manger pendant 5 jours, que l'animal ne devra jamais apporter un corban. D'accord? Et voilà. C'est très général. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vous expliquer ce qui se passe pendant Shabbat. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord traduire la Mishnah, la plus grande majorité de la Mishnah. Klal Gadol Amru Beshabbat. Telle est la grande règle qui a été dite dans Shabbat. Kol HaShocheach Ikar Shabbat. Celui qui va oublier la base du Shabbat. Et à cause de ça, Ve'asa Melachot Harbe Beshabbatot Harbe. Il a transgressé plein de Averot, dans plein de Shabbatot. Il devra porter un seul korban khatat pour toute sa vie. Par contre, Ayodea Ikar Shabbat, par contre, celui qui connaît la base du Shabbat. Mais quoi? Ve'asa Melachot Harbe, mais il a transgressé plein de Averot, plein de Melachot. Les 39 travaux, il les a fait. Harbe, Beshabbatot Harbe, en plein de Shabbat. Il a fait les 39 travaux à chaque Shabbat. Chayav al kol Shabbat ve-Shabbat, il doit rapporter un seul khatat sur chaque Shabbat qu'il a transgressé. Par contre, à Yodéa Shehu Shabbat. Vous ne comprenez pas tout, mais je vais vous expliquer. D'abord, je veux avancer dans le Mishnah pour vous montrer qu'il y a trois niveaux. À Yodéa Shehu Shabbat, celui qui sait que c'est Shabbat. Vassa Melachot Arbe, mais il a fait plein de fois des Melachot. Plein de Melachot, plein de sortes de Melachot. Be-Shabbatot Arbe, dans plein de Shabbatot. Chayav al kol Av Melacha ou Melacha. Il doit rapporter un korban sur chaque Av, Melacha et Melacha qu'il y a. Il y a une singularité dans Shabbat, que, comment dire, c'est un peu comme c'est ramifié en fait. On peut transgresser Shabbat en son essence, à son essence, on peut transgresser Shabbat à la première ramification, et on peut transgresser Shabbat à chacune des rames. Enfin, c'est le principe, il est comme ça. On a vu trois niveaux de transgression. On va prendre un cas, un petit enfant, quand il était petit, il savait qu'il était juif, il a été caché chez les catholiques pendant la Shoah, peu importe. Et puis quand il est sorti, et puis après finalement, à 70 ans, il apprend qu'il était juif, en fait, et il devient juif, puis il s'avère que toute sa vie, il a transgressé Shabbat. Maintenant, quand il était petit, il savait qu'il a appris qu'il y avait l'interdit Shabbat, donc il a eu une yédia au début. C'est une marque qui est dans la Gemara, c'est pour ça que le Bartonor apporte comme ça, donc je suis sa vie là. Qu'il faut avoir quand même une première connaissance et après oublier. Et après, il a oublié le pauvre. D'accord? Il a grandi au couvent. Il a transgressé Shabbat toute sa vie. Il a transgressé 39 travaux à chaque Shabbat de sa vie. 52 Shabbat par an. Et comme ça, pendant 70 ans, il apporte un seul korban. Pourquoi? Parce que son oubli à la source, c'est d'avoir oublié le Shabbat. Il a appris qu'il y avait Shabbat quand il était petit. Et il a oublié. Il a transgressé une seule grande transgression toute sa vie. Il n'était pas fautif, c'est pas la question, mais c'est un juif qui a transgressé une avéra, donc il faut apporter une kapara. D'accord? Il apportera un seul korban. Par contre, quelqu'un qui connaît la base du Shabbat, mais qui oublie qu'il y avait Shabbat, il oublie, il s'est trompé, le pauvre, alors là, on ne parle plus de celui qui a été au couvent, mais on parle de celui qui était en Sibérie, il n'avait pas de calendrier. Il est arrivé, il n'a pas suivi, il a perdu la notion du temps, il était sûr qu'il arrivait, en fait, il arrivait un vendredi, mais il était sûr que c'était jeudi, peu importe. Et du coup, il s'est mis pendant 6 mois à faire Shabbat tous les 7 jours. Mais à chaque fois, de travers. Il s'est trompé. J'ai pris un mauvais cas. D'accord? Oubliez que c'était. Il n'est pas parti en Sibérie. Il est parti se cacher chez les Grecs. Chez que des Goïms. Mais je vous explique ensuite pourquoi il ne faut pas dire ce que j'ai dit. Pas en Sibérie, qu'il était tout seul, mais qu'il y avait du monde autour de lui, qui disait des dates, mais qu'il n'a pas fait attention. En tout cas, il s'est trompé. D'accord? Il s'est trompé et toutes les semaines, il a transgressé en fait Shabbat. Cette fois-ci, son erreur, c'est d'avoir transgressé, c'est pas d'avoir oublié la base du Shabbat. Alors là, tu passes un niveau dessus. Tu as oublié que c'était Shabbat. Tu connaissais la base du Shabbat, tu sais qu'il y a un interdit Shabbat. Mais chaque Shabbat, tu oublies de nouveau que c'est Shabbat. Tu devras apporter un korban sur tout
sur chaque Shabbat que tu as transgressé. D'accord? Mais par contre, pas sur chaque Melacha qu'il a fait. Par contre, quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il sait que Shabbat, il ne faut pas fumer. D'accord? Mais il ne sait pas qu'il ne faut pas semer, labourer, cueillir, moudre. Et du coup, il a fait toutes les Melachot. Il doit apporter pour un Shabbat sur chaque Melacha qu'il a transgressé. Mais mieux que ça, il ne savait pas qu'il y avait un interdit à Shabbat de laver du linge. Et un interdit de... Allez, trouvez-moi un autre interdit. Un autre interdit de cueillir un fruit. Et tous les Shabbatot, toute sa vie, il a, pendant 10 ans, il a cueilli des fruits le Shabbat. Et il a, quand il avait une tâche, il mettait de l'eau, il mettait du sel. Chacun s'en interdit d'oraita. J'aime bien le dire celui-là parce que les gens ne le savent pas. Donc il est sauré aussi. Il essuyait la table et après, avec son chiffon, il allait le laver au robinet. Il est sauré. Il transgresse un vrai interdit de Mechabès. D'accord? Il ne savait pas que c'est interdit. Il l'a fait pendant 10 ans. Il apportera juste deux khatat. Pourquoi tu as transgressé deux melacha? Il y a quelque chose de très spécial dans Shabbat. C'est que même s'il y a, en théorie, un seul interdit Shabbat, l'ota c'est kol melacha. Mais malgré tout, la Torah, elle a inclus qu'on est chayav sur vasa me'achat mehena, il y a un limoud, on ne va pas rallonger dessus, c'est déduit des psukim dans la Torah, que on peut, la Torah, elle a explicitement en fait expliqué que parfois, tu seras chayav sur une faute qui est plus shorshit, plus essentielle, plus de. Qui inclut en fait. J'ai pas le mot shorshit, ça me casse les pieds. Comment dire? Shoresh. Comment? Fondamental. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas grave. On peut transgresser Shabbat avec une faute qui est plus fondamentale, ou bien plus détaillée. La Torah, elle inclut. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, si j'oublie complètement que c'est Shabbat, alors là, la Torah, elle me dit. Il y a marqué, regardez, c'est le Bartonor, il me dit comme ça, il rapporte les psukim. Et Shabbatotai tishmoru, tu devras me garder tous les Shabbatot. Donc là, je déduis qu'il faut une garde pour tous les Shabbats. Donc si j'ai manqué à cette garde-là, parce que j'ai complètement oublié la base du Shabbat, et bien, je transgressais une fois, je transgressais un seul oubli. Je dois apporter Korban Khatat sur le fait que j'ai oublié et que ça m'a amené. Peut-être il faut préciser ça aussi. Quand j'apporte un Korban Khatat sur le fait que j'ai oublié quelque chose. Bien sûr, j'apporte sur le fait que j'ai transgressé l'interdit, mais je dois faire l'accapara sur la base qui a été à la cause, sur la cause qui a fait que j'ai oublié que j'ai transgressé. Donc en fait, lorsque j'ai oublié tous les Shabbatot, parce que j'ai oublié que c'était Shabbat, j'ai transgressé que j'ai oublié que je devais garder les Shabbats. Par contre, la Torah me dit aussi, Veshamru Binsan est un Shabbat, tu devrais garder le Shabbat. Chaque Shabbat, je dois le garder indépendamment. Donc, chaque Shabbat, maintenant il y a un premier Shabbat, et celui-là j'ai manqué à ma garde, et le Shabbat d'après il arrive, j'ai manqué à ma garde, et le Shabbat d'après il arrive, j'ai encore manqué à ma garde. Une petite marloquette, est-ce que c'est une zéro attaque à tout? Il y a quand même une certaine logique que entre deux Shabbatot, tu as forcément entendu qu'on était mardi, donc c'est sûr que tu as entendu à un moment qu'on était à quelle date, que tu aurais pu au moins prêter oreille, donc c'est pour ça qu'on considère que chaque faute est indépendamment. C'est pour ça que le cas de la Sibérie, je vous ai dit, c'est une marloquette Rachid de Saut, quoi. Rabbi Kéveguer, il mentionne de Saut. D'accord, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon ça va faire trop de détails. Donc vous avez compris, soit j'ai manqué à garder le Shabbat, tous les Shabbatot de manière générale, soit j'ai manqué à garder chaque Shabbat indépendamment, ou soit encore, j'ai manqué à... Je ne savais pas qu'il ne fallait pas cueillir pendant Shabbat. Donc, à cause de ça, j'ai cueilli tous les Shabbatot. Maintenant, ça ne change rien. Si j'ai cueilli des pommes, et ensuite des poires, et après des pêches, ou pendant plusieurs Shabbatot, c'est une seule erreur. Et j'ai pas eu de connaissance en route. Donc c'est la même faute comme l'histoire que je vous avais dit au début. Si j'ai mangé une graisse interdite lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, que tout ça c'est une seule avéra. D'accord? Vous avez compris? C'est comme ça, donc on a tout expliqué à la Mishnah. Il y a oublié, plus la faute elle est plus, comment dire, comme elle a dit, fondamentale, plus essentielle, j'ai oublié complètement le Shabbat, alors là il faut que j'apporte un seul korban. Je me rappelais qu'il y avait Shabbat, mais chaque Shabbat il était indépendamment, et j'ai oublié celui-ci et celui-là et celui-là, je vais rapporter un khatat sur chacune de ces erreurs. Maintenant, si je me souviens que c'est Shabbat, il n'y a pas de problème avec Shabbat, mais j'ai oublié que c'était qu'il ne fallait pas cueillir, il ne fallait pas coudre, il ne fallait pas moudre, et il ne fallait pas laver du linge. Alors là, bon, alors tu as quatre, tu as un chilouk melachot cette fois-ci, les melachot, chaque travail un type interdit va imposer d'apporter un korban khatat indépendamment, d'accord? On a fini la plupart de la Mishnah. Avec maintenant, je mets un petit zoom sur la dernière partie. Je reviens un petit peu en arrière. Ayodéa Shehu Shabbat, le dernier, l'avant-dernier cas en fait, pour pouvoir arriver ensuite au dernier cas de la Mishnah. Parce qu'il y a une petite nuance quand même.
Ayodea Shehu Shabbat, celui qui sait que c'est Shabbat. Ve'asam elachot arbe, et il a fait plein de travaux. Il sait que c'est Shabbat, qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et chaque Shabbat, il sait que c'est Shabbat. Il manque pas, oh, il écoute bien, la... il sait que c'est Shabbat, il va à la synagogue, il n'y a pas de problème. Mais quoi, ve'asam elachot arbe, be'shabbat arbe. Il fait plein de melachot, il fait par exemple 5 fois la même melacha, mais be'shabbat arbe, à chaque Shabbat et Shabbat. Chayav al kol av melacha ou melacha. Il sera chayav sur chaque av melacha. Alors là, regardez, on va parler de av melacha et de toldot. Là, c'est là où je vais en arriver. Il y a quelque chose de particulier dans Shabbat. C'est aussi du même pasuk vasa me achat me hena, hena shen achat achat shen hena. C'est concrètement, la Torah, elle inclut que quelque chose de très spécial. Ça se retrouve. La Torah, elle a inclus qu'il y a 39 travaux type interdits. Mais il y a même aussi des travaux dérivés qui sont interdits parce qu'ils ressemblent à la même melacha. Et alors là, de manière générale, c'est assez logique, mais des fois, c'est un peu violent. Par exemple, faire pousser, planter un arbre. Donc, c'est quoi dans chaque avera, chaque melacha, on va s'intéresser à c'est quoi le principe de la melacha essentielle. Et tu seras chayav sur ce même principe, même s'il est sous d'autres formes. Donc là, très simple. Cueillir, planter un arbre, donc c'est donner la vie à un végétal. Arroser un arbre, c'est aussi donner la vie à un végétal. Eh bien, planter ou bien arroser, on sera chayav tout ça, mishum zorea, celui qui va semer. C'est le même. C'est prendre un végétal et le faire grandir, le faire pousser. Mais même mieux que ça aussi. On va s'intéresser, par exemple, élaguer un arbre pour qu'il pousse mieux. Tu lui coupes une branche pour qu'il pousse mieux. Tu ne seras pas chayav parce que tu cueilles ou parce que quoi que ce soit. Tu seras chayav parce que tu l'aides à pousser. Et on sera chayav, donc regardez, j'ai donné 3, 4 types dans lesquels on en découvrira longuement. On sera Shabbat, elle est longue, elle fait 24 prakim. On découvrira plein de toladot, de toutes sortes de choses. Mais là, voilà, j'ai rapporté maintenant 3 toladot, 3 travaux dérivés qui découlent d'un même travail type. Le travail type, c'est quoi? C'est de planter, de faire pousser un végétal. Tu peux le faire pousser parce que tu le plantes, tu peux le faire pousser parce que tu l'arroses, tu peux le faire pousser parce que tu élagues les mauvaises herbes et tu lui permets de mieux pousser, tu peux le faire pousser parce que tu vas lui mettre un engrais dessus. Du fumier, ça va l'aider à mieux pousser. Tout ça, tu transgresses un interdit de Zoréa, que tu sèmes, que tu plantes. D'accord? Pour tout ça, alors on va différencier le cas type initial, qui correspond en fait à la Melacha, c'est déduit du Mishkan. On aura l'occasion d'en reparler à l'occasion, parce que ça va faire trop lourd sinon. Il y a un cas type, c'est déduit du Mishkan, des travaux qu'on a réalisés quand on a construit le Mishkan. Il y a le cas type là-bas, qui était le travaux de base. Et de lui, on va déduire les cas dérivés. Alors là, quand je te dis que tu es chayav sur les 39 travaux, si tu as fait 39 travaux, c'est que quand c'est 39 travaux type, 39 chefs de famille, 39 familles, tu as transgressé les 39 familles. Mais par contre, si c'est dans une même famille, tu as fait 5 travaux dérivés, 4 travaux dérivés d'un travail type, par exemple, Zoréa, tu as planté du blé et tu as planté un arbre, et puis tu as élagué un arbre, comme on a dit, tu as arrosé l'arbre et tu as rajouté des engrais sur l'arbre, tout ça. Alors tu es chayav un seul khatat. Pourquoi? Parce que tu as transgressé qu'une seule famille d'interdits. Et c'est ce que la Mishnah continue en disant. Aosé melachot harbe, celui qui va faire plein de travaux types. Mais en melacha achat, qui sont toutes dérivées d'un même travaux type. Tu as fait plein de dérivés qui sont toutes dérivées du même travail type. En ochayav melachatat achat, il ne devra apporter qu'un seul korban khatat sur l'ensemble, sur la famille du travail type. Qu'elle a transgressé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Koldo. Salut.